souverain de l'oratoire, auditeurs, auditrices de Seul et Lumière, bienvenue à ce rassemblement eucharistique. La messe est offerte par M. Nam aux intentions de M. Paul Lavallée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Parce que nous nous savons aimés du Père, n'hésitons pas à employer sa miséricorde, sa tendresse. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, nous te supplions d'envoyer ton Esprit, qu'il habite nos cœurs et fasse de nous le temple de sa gloire, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Paul se hâtant de revenir à Jérusalem après avoir traversé la Grèce, avait fait escale à Milet. De là, il envoya un messager à Éphèse pour convoquer les anciens de cette église. Quand ils furent auprès de lui, il leur adressa la parole. Vous savez comment je me suis comporté tout le temps où j'étais avec vous, depuis le jour de mon arrivée dans ce pays d'Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, dans les larmes et au milieu des épreuves provoquées par les complots des Juifs. Vous savez que je n'ai rien négligé de ce qui pouvait vous être utile. Au contraire, j'ai prêché, je vous ai instruit en public et dans vos maisons. J'adjurais les Juifs et les païens de se convertir à Dieu et de croire en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, me voici contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem sans savoir ce que je vais y trouver. Je sais seulement que l'Esprit Saint, dans chaque ville où je passe, témoigne que la prison et les épreuves m'attendent. Mais pour moi, la vie ne compte pas, pourvu que je tienne jusqu'au bout de ma course et que j'achève le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, je suis certain que vous ne reverrez plus mon visage, vous tous chez qui je suis passé en proclamant le royaume. J'en témoigne donc aujourd'hui devant vous. On ne peut pas me reprocher de vous avoir mené à votre perte, car je n'ai rien négligé pour vous annoncer le plan de Dieu tout entier. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Ensemble, tous les pays du monde, acclamez votre Dieu. Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais, Dieu qui est bon pour le pauvre. Que le Seigneur soit béni, jour après jour, ce Dieu nous accorde la victoire, le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires, et les portes de la mort sont à Dieu, le Seigneur. Tous les pays du monde, acclamez votre Dieu. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, qu'il témoigne dans nos cœurs. Alléluia! Alléluia!
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il leva les yeux au ciel et pria ainsi. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné autorité sur tout être vivant, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul Dieu, le vrai Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Toi, Père, glorifie-moi maintenant auprès de toi. Donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant le commencement du monde. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé fidèlement ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis venu d'auprès de toi, et ils ont cru que c'était toi qui m'avais envoyé. Je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés. Ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi. Et je trouve ma gloire en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans le Christ vivant, la lecture des Actes des Apôtres nous a mis en présence, c'est le moins que l'on puisse dire, de la figure de feu de l'apôtre Paul. Il est tout entier à sa mission d'annoncer le plan de Dieu pour les hommes. Son engagement est, disons, tripal, le prend aux tripes, corps, cœur et esprit. Pour moi, dit-il, la vie ne compte pas, pourvu que je tienne jusqu'au bout, que j'achève le ministère que j'ai reçu du Seigneur. Les larmes, les épreuves, les contraintes, les complots, sa mort martyre imminente nous donnent les indices de sa personne, de son cœur tout donné, engagé, sans une miette d'ombre, à la réalisation de la gloire victorieuse de Dieu. C'est sa raison de vivre, teneur vitale de ses sentiments intimes. Son expérience explosive, particulière du Christ ressuscité sur le chemin de Damas, jointe aux autres grâces particulières aussi données par la suite, lui feront dire cette vérité profonde sur lui-même, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Ainsi sont synonymes mission de Paul, mission du Christ, mission du Père. À l'Évangile, combien est élevé aussi notre cœur à la connaissance de l'intimité même du Père et du Fils. Portons attention à cette révélation, comme si c'était la première fois que nous l'entendons. Père, ils ont reconnu que tout ce qui vient de toi, je leur ai donné. Que je suis venu d'auprès de toi, et ils ont cru que c'était toi qui m'avais envoyé. Ils sont à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi. Et je trouve ma gloire en eux. Dans la même veine, notre entendement n'est-il pas touché à entendre ces autres paroles efficaces de Paul? Ne savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit? Et voir quelques siècles plus tard, en écho,
cette haute parole concomitante mais sonnante de saint Irénée. La gloire de Dieu, c'est l'homme. Voilà, frères et sœurs, ce qui est en chacun de nous, que nous sommes invités à participer au même royaume de Dieu et qui est déjà tranquillement commencé. Tantôt, nous dirons à la messe cette prière, préparation des offrandes, comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Frères et sœurs, dans le Christ vivant, il est grand le mystère de la foi. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles, que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. La source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit,
qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, le bienheureux Jean-Paul II, le saint frère André, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec confiance maintenant que nous disons ensemble cette prière que le Seigneur nous a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, je dis à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Le corps et le sang de Jésus-Christ, renonce tous nos ressentis de la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal.
fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, dit le Seigneur, c'est lui qui vous enseignera. Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Et nous le prions humblement que cette Eucharistie, offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, vos foyers et vos malades. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, allez dans la paix du Christ. Amen.